Sami Nasseri est de retour au cinéma. Il joue l'un des rôles phares dans Les Méchants de Mouloud Achour et Dominique Baumard qui sortira en salle le mercredi 8 septembre 2021. À cette occasion, il était dans les studios de France Inter lundi 6 septembre 2021 et a répondu aux questions des Augustin Trapenard. Dans ce film, le comédien joue avec son fils, Julien. Ainsi, le journaliste a voulu en savoir un peu plus sur son rôle de père. « Je pense que je suis un bon papa pour mon fils. Ça tient à pas grand-chose, l'écouter, essayer de le conseiller, puis être là quand il faut, pas trop lui en donner, qu'il aille se taper, qu'il voit que c'est difficile. S'il voit que sur le plateau, c'est tout cuit, il ne va pas se battre le mec », a ainsi expliqué Sami Nasseri. S'il ne veut pas que son fils pense que tout est gagné d'avance, c'est parce qu'il n'a pas eu cette éducation. « Bah mon père c'était marche ou crève. Tu veux ta chance? Bah va la chercher », a-t-il confié avant de rendre un hommage appuyé à ses parents. Et vous, qu'est-ce que vous leur avez transmis à vos parents, a demandé le présentateur. J'ai fait pleurer beaucoup ma mère. Elle n'est plus là maintenant, a répondu son interlocuteur, des trémolos dans la voix. Ne parvenant pas à trouver les mots justes, il a choisi de lire un texte de Kerry James pour mieux s'expliquer. Pour ma mère, je ferai preuve de plus de tendresse et plus souvent je la prendrai dans mes bras et je lui glisserai. Maman, je t'aime, a-t-il ainsi déclaré la voix tremblante. S'il le pouvait, Sami Nasseri changerait beaucoup de choses dans sa vie, des mots qui ont touché l'animateur. Lancé dans ses confidences, Sami Nasseri a fait un point sur sa vie. « Il y a tellement de choses que je ne referais, et si je n'avais pas fait ça, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Je me suis tout pardonné parce que je ne vis pas avec mon passé. »